Ok, je suis là. Je suis là. Qu'est-ce qu'il nous fait la musique? Ah, pardon. Vous me demandez qu'est-ce qu'il nous fait la musique? Tac. Hop. Hop, hop, hop. On va jouer à Portent Night comme la dernière fois. Hop. Hop. Ah, je suis un peu. On descend. Ça, du coup, c'est. Non, pas ça, mais ça, ça vire. Parce que c'est pour les pauses. Et il faut que je vous enlève l'écran de pause aussi. J'avais complètement zappé. Hop. Normalement, c'est bon. On va être parti. Portent Night, Portent Night. C'est qui se cache à chaque fois? Il se cache ici. À chaque fois, j'oublie où il est. Portent Night. Nice, nice, nice. Ok, d'accord. On va laisser le jeu se lancer pendant que moi. Je vais mettre le live un peu partout. Ah oui, par contre, ça à chaque fois on se fait avoir. À chaque fois j'oublie de mettre avant. Hop. J'oublie toujours de mettre avant. Bon, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. On est bien. On est bien, on est bien. Alors. Alors. Je vais le mettre là. Le jeu se lance, nice. On va, ce jeu vraiment, ça me fait plaisir de. Je suis con, j'ai mis sur la page d'âge de craft le. Ça me fait plaisir de rejouer à ce jeu. J'ai pas joué depuis une semaine. On va se retrouver pile au même moment qu'on avait commencé. Hop. Ouais, le jeu se lance. Il prend toujours un peu de temps, j'ai l'impression, à se lancer. 505 games. Oh oui. Oui. Portent Night. Ah, je me disais j'avais pas de son. J'ai eu trop peur. Par contre, c'est moi où le son est pas fort. Je me rappelle plus. Voilà. Démarrer. On va rejouer avec, du coup, le fameux Luke Gamer. Toujours magnifique. Démarrer. Et on va continuer dans le monde week-end. On avait découvert 5 mondes. Aujourd'hui, on va essayer de choper les nouveaux mondes. Je sais pas si on va vraiment s'en sortir bien comme il faut. Hop. Je relance mon live de mon côté parce que j'entends. Enfin, sur mon rendu. Enfin, sur mon retour, je veux dire, parce que je le vois pas avancer. Hop, ah oui, c'est vrai que les montres prennent un peu de temps à charger à chaque fois. J'avais complètement zappé. Hop, hop. Alors, on était dans le monde désert, hein, le monde canyon. On a plutôt regretté. C'est moi ou... Attendez, j'ai l'impression que ça va pas là sur le live. J'ai l'impression que ça... vous voyez le jeu au ralenti. Alors, attendez. Attendez, parce que si vous voyez le jeu au ralenti, option de jeu, option d'affichage, non, ça c'est toujours bon. Ça on peut virer, ça sert à rien. Voilà, attendez, c'est moi ou ça lag? Ou c'est bon peut-être? Attendez, je regarde sur mon retour. J'attends de voir quand je sors du portail. Ah non, ça devait être le temps de chargement je pense. Bon, en tout cas on est chaud. Oh, c'est joli hein. On est toujours de ici, alors là il y avait la forge mais bon. Mais bon. Alors heureusement qu'il y avait le mec qui nous avait appris pour les... Mince. Pour les pierres à aiguiser. Tac, qu'on pouvait aiguiser nos armes. Mais ça c'était vraiment bien, trouver des... Des pierres à aiguiser. Alors à quoi ça sert ça? Ça c'est juste une pousse. Très bien. Et fallait que je tombe. J'avais oublié qu'on pouvait pas sauter sauter comme je voulais. Mais c'est pas grave. Non, le jeu en fait c'est bon. J'avais oublié que je pouvais pas sauter comme je voulais. Du coup on y va. Il y a pas mal d'ennemis sur ce côté là. Donc on va passer par là. De toute façon non, il faut qu'on trouve des pierres bleues. Alors autant se faire des ennemis maintenant. Normalement j'avais réussi mon esquive mais bon. Ok, lui c'est bon. On va se faire l'autre monsieur.
Sûrement il prend pas les dégâts. Si, il est mort. Très bien. Esquive. S'il nous faut des pierres bleues. Hein. Voilà. Vous voyez que ça nous fait des pierres bleues. Pour les nouveaux mondes. Putain, il a explosé le mec ici ou... J'aurais aimé qu'il tombe sur des minerais, mais c'est pas grave. Et ce monde-là, on n'a pas totalement exploré. C'est pour ça qu'on va un peu explorer maintenant. Alors là, je vais pas refaire la même bêtise. On va dire qu'on va poser directement les blocs pour traverser. Voilà, parce que sinon on va refaire la même connerie qu'avant. C'est moi qui arrive pas à viser ou... Wow, 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 j'avais pas vu la tortue. Ok, elle est morte. On se fait des ennemis, on commence à avoir un peu plus... salut psy. On commence à avoir un peu plus l'habitude quand même. Ok. Il y en a un autre. Je passe en mode viseur. Ah, c'est vrai qu'ils font mal. Quoi qu'en fait, non, regarde, on se le fait vite. Hein. Heureusement qu'on a choisi archer. Hein. Ouh, j'avais oublié que ça explosait à la fin. J'avais complètement zappé ce genre de truc. Alors... On avait ce temple là qu'on avait déjà fait, je crois. Sinon, vous avez vu que j'ai pris un peu plus mes aises au niveau des commandes. Je crois qu'on l'avait déjà fait. Je crois, hein, je ne sais plus. Mais si, on l'a... Si, si, on l'avait fait. Là, je suis plus en mode Where is the enemy pour les torches directement. Pardon. Bonjour monsieur, je vous avais pas vu. Alors là on risque de crever mais bon. Ok. Vraiment que mon truc fait plus mal quand je vise Voilà, pierre bleue. Ah j'avais oublié encore une fois. Le mec prend du bouc. Insensible une fois que c'est dans le dos quoi. Voilà. En plus on est bientôt au prochain niveau. Ça fait plaisir. Sinon il n'y a pas de monument. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monuments. Hop, je reprends une pierre à aiguiser parce que sinon on va abîmer notre arme encore plus. Qu'elle ne l'est déjà. Bon apparemment non. De toute façon là on cherche à quoi. Ah si regardez, il y a un monument là. On va d'abord se faire cet ennemi là parce qu'ils sont je sais pas combien ici. D'accord, donc toi tu montes sur les... Voilà. On a toujours notre hibou flippant avec nous. Ah, salut. Ah mince, j'arrive pas mais voilà, à me cibler sur lui. Hop. Et voilà. Niveau supérieur, niveau 6. On va juste prendre nos points de compétence juste après. Ok, j'ai cru qu'on allait les rater. What? What the fuck? Wow, j'ai perdu le contrôle d'un coup. J'ai fini de nettoyer les larmes qu'il y avait partout dans ma chambre. Du coup, me voilà. Oh, abuse pas non plus, c'est que The Walking Dead. Faut pas abuser, hein. La fin, c'est juste Kenny et Clémentine en mode oh, bonjour, au revoir, vous avez refusé de nous accueillir. Ah, t'as de la chance, je joue pas du tout à un jeu triste. Ah, ça m'intéresse, peut-être ce qu'il peut nous donner cet ennemi. Oh, on l'a eu au plein vol. Ouais, en plus, regardez, nous. Il est assez facile à se le faire. Si on veut des pierres bleues. Putain, c'est vrai que quand on verrouille la caméra, vous pouvez pas sauter comme ça en fait. J'avais oublié. Mais c'est pas grave. On va aller voir ce qui se cache là-dessous. Un petit peu. Y aller maintenant, hop, et voilà. Alors, 3 éclats de pierre bleue, ça c'est nice. Pour l'instant, je prends pas de minerai rouge parce que j'en ai pas vraiment besoin. Il me faudra un monde où en fait il y a énormément de charbon.
Parce que le charbon, pour l'instant, on va aller à notre base juste après, mais ça sert à... Comment dire? Merde. C'était pas prévu, ça. Disons que le charbon va nous servir à plein de choses. Non, eux, on va pas se les faire pour l'instant. Y'a vraiment que ça dans ce monde-là? Non. Parce que certes, y'a pas grand-chose, mais à ce point-là... À ce point-là, quand même. Enfin, là, je sais qu'il y a le deuxième portail. D'ailleurs, on va crafter ce qu'on a besoin pour ce portail. Maintenant. J'en ai fait 5. Je sais pas combien j'en avais sur moi de base. Ah, j'en ai que 5, en fait. Ah, mais non, mais je les avais déjà placés, regardez. Et ben, on va pouvoir aller voir ce qu'il y a dans le prochain monde. Hop, on construit un peu le portail. Et une larve, par contre, là. Et on y va. Vers Dorson. Au calme, tu as des armes dans ta chambre. Mais non, des larmes, non? Mais non, des larmes, tu as des armes. Mais non. Le mec, il a cru que t'avais des armes dans ta chambre, c'est horrible. Totalement horrible. Alors, ce monde-là, je me demande comment il va être. Mais on va bien voir. Verger. Ah, c'est un verger. Ah, mais c'est ce monde-là. Oh, ça sent la magouille. Enfin, ça sent la douille, en fait. Attendez. Ou alors, on n'a pas spawn au même endroit. Si on regarde sur la carte... Ah non, je peux m'y rendre, mais celui-là, on l'a jamais fait. C'est là, il y a le refuge du fer à cheval. Pique des grenats. Et après, on n'a pas... Bon, on va rester dans ce monde-là en attendant, alors. Parce qu'il y a plein de choses à faire ici, je pense. On va rester dans celui-là, ça c'est le monde un peu Halloween, carottes, citrouilles partout, d'ailleurs on va en prendre, on a peut-être besoin d'un échantillon, j'ai envie de vous dire. Des larmes avec un L. Si t'as des armes chez toi, écoute, est-ce qu'ils sont méchants eux? Oui, ils ont l'air méchants. Oh oui, ils sont méchants, oui. Ils font pas très mal mais ils sont méchants. Voilà. Ça nous fait des pierres bleues de portail, mais sac plein. Non, pas sac plein, non. Je vais mettre ça à la poubelle. Non, en fait, on va pas mettre ça à le coton, c'est important. On va mettre ce genre de truc à la poubelle. Voilà. Hop. Ah mince, je pensais que je pouvais la... J'allais pouvoir l'esquiver, mais c'est bon, on se l'est fait. Ok. Ah, son âme s'envole. Ou alors il y avait déjà ça, mais j'ai pas vu. Il y a les champignons partout. Là, il y a l'air d'avoir un donjon, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de ruines, mais s'il y a rien en dessous, ça ne vaut pas le coup. Ah, il y a du diamant, je crois. Ce qui est en bleu, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est du diamant. Attends, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Rien, mais est-ce qu'il y a quelque chose en bas? C'est maintenant qu'on va le savoir. Y'a pas l'air, hein. Non, y'a pas l'air d'avoir quelque chose. J'ai envie de donner, mais j'ai pas de thunes. Si tu donnes, ça va faire un. Thank you! Ah, y'a un diamant en bas. On se fait suivre par l'ennemi derrière. Après, si t'as pas de thunes, oui et non, j'ai envie de te dire. Voilà. Nice. Alors. C'est bien du... Ah non, c'est de l'émeraude, ça, je crois, je me suis trompé. Émeraude verdoyant brut. Bon, autant en prendre, on sait jamais ce que ça pourrait... Enfin, on sait jamais, hein, ça pourra toujours nous servir. On a oublié d'investir dans nos points, là. On met 2 en force et 1 là-dedans, parce que là, on est en retard, hein. Voilà. 2 en force, ça serait cool. Voilà, là y a rien non plus. Il y a un marchand dans ce monde-là, mais bon, à quoi faut-il le trouver? On sait toujours pas où sont les prochains portails à faire, donc ça c'est un peu la mission, ce qu'on doit trouver. Il y a une maison, donc on va aller voir. Et il y a...
C'est des méchants, je pense, mais c'est des méchants bizarres. Ok, on rentre par le... Y'a personne qui vit ici? Ah ouais. Toujours rien dans les... Dans les machins. Y'a personne qui vit là. Marrant. Je pensais qu'on trouverait un habitant. Par contre là, il y a l'air d'avoir pas mal de méchants. Oula, oui. Ok, je provoque lui d'abord. Les faits, ça a l'air d'être des ennemis un peu chauds. Sac à dos plein. Ah, je peux pas dire plein pour ça par contre. Potion de mana mineure, non. Ah, on a des rubis flamboyants raffinés. Oh, l'œuf, on va les... on va jeter. Hein. Voilà, parce que du tissu, on sait jamais, on ne dit pas non. Ah, du tissu. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ici, à part... il y avait le gros là, je pense qu'il va nous faire pas mal d'éclats de portail lui. Pas de charbon dans ce monde là, parce qu'il y a beaucoup d'émeraudes, je vois ça, mais est-ce qu'il y a du charbon au moins? J'ai pas l'impression. Mince. Parce que lui, je connais pas sa vie en plus. On va l'affaiblir comme ça. Je sais pas où je suis. Enfin, je sais plus, du moins. Ok. Bon, ça va. Il est assez facile, justement, les ennemis un peu bruts comme ça. Enfin. Oh non, je peux pas dire sac à dos plein à ça non plus. Donc ça, ça dégage, je sais même pas c'est quoi. Esprit de feu, 3 bombes explosives. Y'a pas un donjon dans ce monde là, vous allez me faire croire. Ah bah si, là-bas, regardez. Y'a 2 tours, on va aller voir les tours. Oui, certes, j'ai des thunes. Oh, faut bien lire le chat et avancer en même temps. Merde. Du coup, on repart du début là. Ça fait chier. On y retourne du coup. Non, c'était là-bas. Ok, on y va. Il fait nuit, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout pour ce qu'il y a ici. Tu m'as vu, c'est bien. J'esquive. Et des esprits partout, je sais pas si on pourra aller. C'est nous qui nous ont un bruit pareil. Ah non, c'est le monsieur là. Oh, je pensais l'avoir esquivé, mais non. Et il est mort, j'ai eu peur. Bon, il nous a donné une torche. C'est toujours ça de prix. On a plus de potions maintenant. Va falloir qu'on infectionne. Est-ce qu'on a une recette au moins pour les potions? Je ne sais pas. Ok, on contourne un peu la situation. Voilà. Fais péter ta thune. Merde, il m'a eu. Et on a plus de... Oh merde. Bon, c'est pas plus pire. Ok, s'il nous suit en fait. D'accord, ok. Je pensais pas qu'il allait nous suivre. Peut-être un monde un peu chaud. On va retourner dans notre monde juste après. Hein. Lui, Bou qui se fait téléporter. J'adore. Ah, je t'avais pas vu, toi. Vous faites mal, hein. Vous faites un cœur en fait. Enfin, je veux dire 3 cœurs. Ah, parce que tu me fais ralentir, j'avais pas vu. J'ai de la mana, mais pour l'instant, elle me sert à rien. Hein. C'est quoi ça? Citrouille. On va prendre les citrouilles. Est-ce que je peux les manger quelque chose? Imaginons je prends les citrouilles. Puis je les mets là.
Bon, ça refait un peu de nourriture, mais est-ce qu'elle est revenue, la personne qui habitait ici? Eh, toujours personne, hein. Bon, allez, faut qu'on y arrive maintenant, là. Allez, là où je veux aller depuis tout à l'heure. Ah merde, je suis avec ma hache. Putain, j'esquive mais... Ah, je suis pas mort. Ouh, si en fait. D'accord, ok. Bienvenue dans le monde très chelou. Ils sont beaucoup la nuit, putain. Parce que c'est bien beau de voir les esquiver, mais ils sont pas mal, hein. Mais qui prend des chemins différents et tout. En fait, c'est pas le même monde, hein. Parce que dans l'autre, on apparaît. Regardez, je vais vous montrer. On va y aller d'ailleurs. Ça veut dire quoi le. Il fait. Ah, c'est Noël ici. Chasse aux œufs, 5 jours restants, d'accord. Coffre perdu. Pic de grenat. Ah non, pic de grenat, c'est le nouveau monde. Et c'est là qu'on doit aller depuis le début, je pense. On va aller jeter un coup d'œil. On va voir ce que c'est, pic de grenat. Moi, je veux un monde où il y a masse de charbon. Pic de grenat, coffre perdu. Ah, voilà, c'est... Voilà, c'est ce monde-là où j'étais apparu, voilà. Sauf que c'est, vous voyez que c'est un peu la même chose, mais moi j'étais tombé sur un marchand, voilà, sur cette maison-là. Et sur le lapin qui est juste ici, voilà. Commercier. D'accord, donc c'est un mec qui vend des... Le mec lui vend n'importe quoi, mais bon. On peut en lui rendre une de ça. Bon. Ouais, laisse ta cucchizi. J'ai l'impression qu'il parle italien. Et du coup, les trucs, on peut rien y faire ici. Ok, donc vous voyez, c'est ce monde-là, il est pareil, sans être pareil. On va aller se faire le donjon qui est là. Ah, même s'il a l'air chaud, mais bon. D'accord, ok. On voit le genre de mec qui garde l'entrée. On adore. Ah, ils sont beaucoup. Ah bah, il y a un portail ici à faire. Alors attendez, parce que moi j'ai 3 blocs déjà. Je vous dis ça comme ça, après voilà. Hop, plus du coup. Est-ce que je peux en crafter? Non, je peux pas du tout en crafter. Mais je vais faire de mon mieux pour trouver dans le donjon. On va pas y rentrer comme ça dans le donjon, on va y rentrer en faisant un... Comment ça s'appelle? Ouais, y a que ça en fait. Ok. C'est un monde chaud, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'ai très mal fait mon chemin, mais c'est pas grave. Parce qu'on a du bois. Et le bois... On a 54 blocs de cuivre, mais on peut rien en faire, j'ai l'impression. Voilà. Ah voilà, je me dis, je voyais pas clair, alors... Du coup on monte parce que j'imagine qu'il faut monter. Si on tombe sur un ennemi on se le fera, mais bon. Bon. Vous voyez ce genre d'endroit là? Ça, c'est très suspect. Ah attendez, il y a un truc qui sonne creux là derrière. Et c'est quoi? Merde, c'est la mort. C'est la mort. Salut. T'es pas méchant toi? Ah d'accord, c'est un de vos châteaux? Non. Attention. Depuis que la fracture est apparue, les ennemis pullulent. J'ai accepté une mission, c'est vaincre 5 mire-tonnerre. Donc ça, en fait, c'est vos tours. Mais je pense qu'il faut plus descendre que monter pour se faire un ennemi. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Bon bah allons-y.
Ok, c'est pas ça, je sais ce que c'est des genres de... C'est des genres d'œil électrique, je crois. Non, là, y'en a un, là. Hop, on va se le faire. Voilà, ça doit être ça. Ouais, voilà. 1 sur 5. Bon, on lui fait sa petite quête, parce que bon, ça vaut le coup. Mia, spaghetti. Bon, on est d'accord, il parle italien. Ah, il m'a quand même vu. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, faut aller en bas. Pour se faire les donjons. Y'a quoi là-dedans? T'as d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici du coup? C'est ta prison? Non, on en a fait 3, c'est plutôt facile. Ok. Il y en a des vénères quand même. Voilà, on y va doucement. Voilà. Plus des... Il y en a certains qui nous font des pierres bleues. Donc, on va savoir si on va pas découvrir un nouveau monde d'ici là. Oh, y a rien là-dedans. Par contre, là-dedans, je ne sais pas. Oh, ça sent le faux mur. Enfin, c'est impossible qu'il y ait... C'est vrai? Non. C'est si vite que ça ici? Oh, c'est bizarre. Il y a vraiment rien de l'autre côté quoi. Bon, après c'est de la terre mais sinon il y a rien. Hein. Étrange. Ça si je le casse ça me fait une statue pour chez moi. Ah ouais. Bon autant la prendre. Hein. Voilà. On aime bien. Et du coup là, je ne sais pas, ça doit... je suis sûr qu'il n'y a rien de l'autre côté non plus. Non, attends, je vais juste faire ça, ça, ça. Parce que je me rends compte que ma caméra est un peu grande pour le jeu. Non, pas ça. Caméra, elle est un peu grande. Voilà. Plus petit, ça sert à rien de m'avoir en grand, sauf pour les jeux d'horreur, quoi, je pense. Du coup, continuons notre aventure. Voilà, faut la jouer esquive, faut la jouer esquive. Si on veut s'en sortir, il nous faut encore deux mire-tonnerre et on sera bien. Voilà. Oh. Le mec il fout la merde et là ça sert à rien non plus, d'accord, j'ai compris. Voilà. Et voilà une pierre bleue de portail, on adore. Et notre copain qui est là. Comme ça on aura fini la quête. Voilà, tâche accomplie. Rendre à Hector le garde. Ouais, j'arrive Hector le garde. Je vais remonter en haut de ta tour. Donc au moins on sait que les tours ici sont... Bon, ici un ennemi, sinon d'accord. Non, on m'enferme pas avec le truc. Voilà. Par contre, moi, il bouge. Ah non, c'est bon. Moi, il bouge, j'ai dit. Mais bon, c'est pas grave. Moi, il bouge, téléporte. Mais sinon, c'est. Ça a l'air. Enfin, ça avait l'air chiant s'il serait coincé. J'arrive pas à faire mes mots, ça aurait été chiant. J'ai l'impression qu'on a du temps pour lui rendre la mission. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'on a du temps. Donc, on va lui rendre maintenant. Parce que, regardez sur le côté. Voilà.
Merci bien. S'il nous aura donné un truc, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais il nous l'aura donné en tout cas. Ça a l'air de descendre, c'est peut-être là la vraie, le vrai donjon. Ah, regardez. J'ai cru que j'avais pas trouvé. Donc c'est pas très discret comme cachette quoi. Par contre, il y a plein de trucs. Ouais, bah non. Du coup, je peux pas. Niveau supérieur. Niveau supérieur. Et les talents, toujours rien de nouveau. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait nous mettre son coup. Alors, continuons. Parce qu'il doit y avoir un truc sympa au fond de ça. Ça s'ouvre ou pas? Je sais pas, mais ça a l'air de la lave, alors on va éviter de... de tomber dedans. Une cage, ouais, mais non, parce que généralement je pensais qu'on allait trouver un animal là-dedans, mais non. Voilà. Ensuite. Voilà. On commence à être des professionnels. Salut Purple! Purple stuff please. Comment vas-tu? Comment vas-tu mon cher ami? Là, il fait presque plus les dégâts j'ai l'impression. Ok nice. Hop, ça nous fait des petites pierres bleues. Et on continue. Là on s'est vraiment enfoncé loin donc donc est-ce que ça vaut le coup j'espère. Oh merde, j'avais pas vu celle-là. Voilà. Il y a pas mal d'ennemis, mais c'est pas grave. Hein. Je veux dire, si c'est ça à chaque tour, on prendra le temps de faire les tours, du coup. Hein. Vous comprenez que... Donc, par contre, là, le fait qu'il soit deux, ça me saoule un peu. Fait peur, c'est bon, putain. Hop, on prend un peu l'expérience. Ça va, les ennemis commencent à... Ah, ça m'intéresse ce qu'il y a en dessous là. Je crois que ça vaut le coup de descendre. Ou pas. Je pensais pas à ça. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait en dessous. Il y a une cage, certes, avec un animal, donc on va. On va se le faire et on va aller chercher l'animal qui est juste en dessous. Ça nous fera toujours un animal de compagnie en plus. Enfin, après, on choisira entre là si on garde la chouette ou pas, quoi. Mais parce que la chouette elle est sympa, mais regardez, il y a un animal et ça a l'air d'être un chat. Parce qu'on a déjà la souris, mais bon, attendez, on va voir. Ça a vraiment l'air d'être un chat. L'établi, je l'avais fait sans faire exprès, mais hop, ouais, c'est un chat. Bon, bah, ça nous fait un chat en plus dans la team. Voilà, alors on continue l'escapade. Je crois qu'on arrive à la salle des trains. Il m'a fait peur. Parler. Bonjour, brave chevalier. Bon, t'as rien à me dire, tu veux même pas me parler. Bon, je te prends tes trésors en tout cas. T'as une grenouille. Je pense qu'on va faire un coffre spécial, on va stocker à peu près tous nos animaux. Et là, t'as juste la cage. Cool. Ils sont bizarres ces endroits, je vérifie toujours derrière parce que bon. C'est quoi ça? Ah mais ça serait pas en fait le vide? Genre le ciel? Si c'est ça, d'accord, ok. Chevalier de la grâce. Alors moi je suis archer de la grâce. Mais c'est vrai que je suis gracieux. Merci, merci. Ça m'intéresse ça. On va retourner à la maison. On commence déjà à avoir des portails jaunes, vous voyez. D'ailleurs, on va se faire des blocs d'un peu tout, là. Alors.
Ça, on en a fait 6. Et ça, on va en faire 2. Il y a des bombes, je viens de voir. Hop, les pierres jaunes, ça sera pour plus tard, en fait. Ça sera un peu plus compliqué. Ça va aller jusqu'au rouge et vert, je crois. Ouais, vert et rouge, ensuite. En tout cas, on remonte. On a fini ce donjon. On va peut-être en faire un dernier avant de retourner à la maison. Et une fois à la maison... Ou alors, on va essayer de faire le portail du prochain truc. Je sais pas encore. Parce qu'il va falloir quand même qu'on retourne à la maison à un moment. Ah bah, c'est par là. Hop. Attends, je regarde. Ah, mais t'as un... Oui, j'avais pas vu que t'étais en Twitch Prime. Je me demandais. Je viens de voir que t'étais en Twitch Prime. Ah bah, regardez, vous voyez. On va déjà poser nos portails jaunes. Qu'est-ce que je vous disais? On va poser nos portails jaunes ici. On en a que deux, mais ça va être plus dur à faire, en fait. Au moins, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas de map. Enfin, on peut pas marquer les points. Ça, c'est le vendeur. Ça, c'est le lapin. D'accord. Donc, de toute façon, on saura que ça sera à côté du lapin. On va aller au portail bleu, vite fait, poser nos blocs. 6, ça suffit, je crois. 6 suffit, je pense. Ah, mais en plus, surtout qu'on l'avait déjà posé, en fait. Mince, j'ai posé le portail à côté. Ah bah, de toute façon, il tient pas, en fait, si vous le posez à côté. Donc, c'est cool. Voilà, et ça va être un monde tout nouveau. On va aller rapidement dedans. Plaine du passage. On va voir ce que c'est. Hein. Ensuite, on retourne à la maison et on finit ce monde-là. Je pense qu'on va faire ça. Faut voir. Mais je pense que ça va se dérouler comme ça. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Voilà, ça commence à s'éclaircir, donc on arrive maintenant dans le monde. Et ce monde, on va voir ce que c'est. Oh, c'est joli. Ah, j'adore. Waouh, j'aime trop. Oh, il y a une fortification. Mon dieu, oh, c'est super joli, les plaines. Enfin, on peut marcher sans crapahuter partout avec le petit lac là. Ça a l'air sympa. Attention, on va se garder ce monde là pour plus tard. Je sais même pas dans lequel on est. On est dans le 10. Donc, nous, on va retourner dans notre base. Dans notre petite base. On va retourner dans notre petite base à nous et on va aller un peu voir ce qu'on peut faire, si on peut faire du stuff, si machin, on a toujours pas de charbon. Ça fait chier. En tout cas, les plaines ont l'air sympas là. Tertre de l'écuyer niveau 1. Bon là, les ennemis, on les tège en 30 secondes. Ah voilà, les one shot, ok, je me disais bien aussi. Ils font pas long feu, hein. Bon allez, on va aller chez nous. On va aller chez nous. Hop. Voilà. Alors. Enfin, chez nous. Notre semblant de chez nous, quoi. Ça, on peut l'utiliser maintenant, vous pensez, ou pas? Ou je peux toujours pas? Ah, si, je peux, regardez. On a un arc plus puissant maintenant. Et on va prendre nos 29 pierres aiguisées maintenant qu'on a compris à quoi ça servait. Alors, est-ce qu'on a du nouveau là-dedans? Est-ce qu'on peut améliorer au moins l'établi? Ah non, faut qu'on aille à la fonte. Salut pingouin de luxe. Ben, faut qu'on aille à la fonte. Hop. Et dans cette fonte, on va voir ce qu'on peut faire.
On va faire des barres de cuivre. On va laisser les barres de cuivre se faire. Le four est en action. Atelier d'archer, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Ça, on va en faire. On fait 5, c'est toujours ça. Arc renforcé en cuivre, 41 de dégâts, bah non du coup. Couteau, par contre, ça devient intéressant. On va se faire 5 couteaux de lancer. On va se faire un couteau en cuivre. Parce que moi qui me plaignais de pas pouvoir... Ah, sac à dos plein. Moi qui me plaignais de pas pouvoir... Chapeau de chasse. Oh là là, on en a des trucs à faire là. Waouh. Il y en a de la tenue là-dedans. J'en viens de chasseur. Hop, attendez, on va se... s'équiper. Ah oui, ça change. Waouh, c'est grave joli. Hein. Alors, il faudrait qu'on refasse que je crafte un coffre. Est-ce qu'il y a moyen que je te... Ah, il faudrait 2 minerais de cuivre pur. Est-ce qu'il y en a dans mon coffre? Ah, déjà. Non. Ça c'est bon du coup ou je... Oh là là, les trucs achetés. Voilà, on a nos 4 lingots. On va pouvoir aller se faire la suite de l'équipement. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, donc on a dit que c'était là. Ah non, c'est là-dedans. Ah voilà, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait plus accès. On va se crafter ça. Ah, sac à dos plein. Putain, fait chier. Hop. Voilà, on va s'équiper maintenant. La tête. Hop. Oh non, on a l'air con, mais bon, c'est pas grave. On a l'air très con. Comment vous voulez être crédible en étant un archer comme ça? Oh non, je dis non. Je dis non. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait stocker là-dedans? On va déjà placer nos animaux. Parce que moi, je vais... Non, ça, je veux l'équiper. Et ça, je veux le placer dans un coffre. Ça aussi. Ça aussi. Ça, on le jette. Seul de protection, on la garde sur nous. On va mettre les le couteau, on va le mettre ici. La pierre à aiguiser. La pierre à aiguiser, pardon, ici. Ça, on va le mettre là-dedans. Et ça, ça a l'air important, on va le mettre là-dedans. Ça, on garde sur nous. Et le charbon, bien évidemment. Ah, attendez, on va peut-être remplacer un truc. On va peut-être prendre sur nous, on va peut-être prendre les os. Non, les os, on va carrément les jeter en fait. Tac. Et on va mettre ça dans le... dans le coffre. Nice. Et on est bien stuffé là. Hop. J'aiguise un peu mes armes. Et on est prêt. L'arc du coup est bon. Et plus puissant, plus gros surtout. Donc ça a l'air cool. Enfin plus gros. Il est plus imposant quoi. Quel monde on doit se faire là? Clairement, est-ce qu'on retourne dans le 10 et on fouille le 10 ou on refait le 5 pic de grenat? Parce que là, il nous manque celui qui va là. Et celui qui va là donnera accès à celui-là. Et celui-là là-haut donne accès à rien. Donc on va se faire celui-là. Celui-là, si j'ai bien compris. Celui-là, si j'ai bien compris, on n'aura pas en fait... Ah, j'avais mal aux jambes. Celui-là, on n'aura pas de portail à faire. Donc c'est pour ça qu'on peut se le fouiller en entier, le monde. Et se concentrer sur les autres plus tard, du coup. J'imagine. En plus, il a l'air vraiment bien fouillé. On va pouvoir tester nos nouvelles armes et nos nouveaux équipements. Et on arrive de nuit, ça fait plus chier. On va déjà aller fouiller la fortification qu'on avait trouvée. Qui a l'air vraiment sympa. Je voulais pas faire. C'est qui pleure là?
Ok, nous voilà. Est-ce qu'il y a des habitants déjà dans un premier temps? Est-ce qu'on peut trouver des habitants? Non. Donc on va se faire le haut et ensuite on se fait le bas. Ok. Il m'a surpris. Les ennemis ont l'air plus puissants par contre. Voilà. Il y a un coffre que le gars... Le gars là il garde un coffre. Voilà, d'accord, ok, lui on le faisait en 2 secondes. Voilà. Et voilà. 2 émeraudes ravaillants, 10 blocs de cuivre. Cool. Et est-ce qu'il y a des choses dans les tours? Parce que s'il y a des coffres dans les tours, autant. Là y a pas, là y a pas, là y a pas. Ok. Donc il n'y a pas de coffre dans les tours. Au moins, on est sûr, on est clair. On n'aura pas besoin de retourner en ouf. Maintenant, on va s'enfoncer un peu plus profondément dans le donjon. Et on y arrive. Et c'est bien sombre. Ici, y a rien. Les soleils sont beaucoup moins puissants, hein, on s'en rend bien compte. Enfin, plus, moins puissant, c'est surtout l'arc qui fait plus de dégâts. Hop. Ah, on a des blocs de pierre jaune de portail, ça c'est nice. Si on a moyen de finir le portail jaune, ça me fera. Ah, par contre, tu poses des pierres bleues là. Si on a vraiment moyen de finir le portail jaune, ça fera très plaisir. Ça, je les prends, il y a toujours des trucs dedans. Ah, c'est le même genre de donjon qu'on avait eu à un moment. Remonter là-haut sert à rien, je crois, mais on va voir. C'est la dernière fois, ça sert à rien, mais là, c'est toujours pareil, je pense. Il y a toujours cette sortie qui est là, mais... Ouais, non, ça sert toujours pas à grand-chose de monter ici. Donc on continue notre... Putain, on est beaucoup plus agile, hein. Je m'en rends compte, on est enfin, plus rapide du moins. Je m'en rends vraiment compte. Ça c'est ok. Hop. On peut vraiment casser les choses de loin par contre, hein. Vous avez vu ce que j'ai fait avec les vases. J'en touche mes flèches. Voilà. Quartz électrique brut, recette pour banque classique. Les recettes, je crois qu'il faut les lire. Je sais pas ce qu'il faut faire avec les recettes. Ou alors il faut les mettre sur la table de dessin. A voir. Ok, lui c'est fait. On arrive au trésor. Et c'est... cuivre, éclat de pierre jaune, tac tac tac. Nice, plutôt bon donjon qui part pas en vrille non plus. C'est plus les donjons comme ça que je préfère que celui où vous avez directement 3 portes. Là ça fait un peu plus chier mais bon. Mais c'est nice. Hop hop hop. Faut pas que je remonte. Ah si voilà. Quoique non, faut que je continue mon chemin. Ah non, c'est pas ici. J'ai cru qu'on est arrivé au moment où ça monte super haut pour rien là. Ah si, c'est ici en fait. Ah non. C'est bon. Hop, on peut remonter. J'espère qu'il fait pas nuit. Tout à l'heure il faisait nuit, hein. On est d'accord.
Quoi qu'on va voir, hein, s'il fait nuit, il fait toujours nuit, ok. Mais le soleil va se relever, j'ai l'impression. Bon, ça c'est fini du coup. Maintenant. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce genre d'ennemi? Je vais pas attaquer mon petit couteau de. Oh là là, je vais crever moi. Ok, on a réussi à échapper au truc, mais bon, ils sont tous morts dans l'eau, j'ai l'impression. On va aller chercher les trucs. Hein. Bon, attendez, on va aller chercher ce qu'on a fait, ce qu'on a mis là-dedans. Ouais, ah c'est ralenti du coup les attaques. Ah c'est vachement intéressant ça. Ah mais c'est des larves marines en même temps, j'avais pas vu. Leurs attaques sont vachement lentes. Niveau supérieur, je viens de voir. Hop. Fait toujours plaisir, un petit niveau supérieur. Alors, ce genre de tour, normalement il y a des trucs dedans. Normalement. Je ne vois rien, je ne comprends rien. On va crever là-dedans. Ok, j'ai réussi à sortir. Le bordel. Bon, y'a rien dans là-dedans sauf de l'eau en fait. Ok. Y'a du charbon. Ça je prends, il nous en faut pas mal. Va falloir qu'on se refasse une dose de cuivre aussi. Parce que là ça a plu. Waouh, le soleil il envoie. Hein. Aïe aïe aïe. Y'a des jolies couleurs. Jolie, jolie, jolie couleur. Il y a du charbon ici, je viens de voir aussi. Vas-y, monte. Ah non, il y a l'arbre qui gêne, d'accord. Excusez-moi. Charbon. Hop, je monte en haut parce que je vois pas vraiment ce que je dois faire. Ah, par exemple, il y a un truc là. Ça m'a l'air d'une mine. Ou juste une tour de guet. Ça par contre ça a l'air vachement intéressant. Et ici il y a une petite maison bizarre. Petite maison toute cassée. Sans vraiment rien de fabulous. Alors j'ai pas fouillé les grandes tours en pierre mais bon. Il nous faut du charbon. Ah, d'accord. Donc oui. Ah, la musique qui va avec, tu m'étonnes. Ah, par contre, il y a masse de charbon, ça fait plaisir. En fait, je regrette pas d'être tombé dans le trou. Ça évitera qu'on aille en chercher pendant jusqu'à je ne sais où. Pardon, le mec malade. Vas-y, ramasse. Ok, c'est bon. Où c'est que j'en ai vu d'autres là? Hop. Voilà. Et ensuite. J'essaie de remonter mais.
Je suis tombé d'une façon en même temps que... Ah, je peux remonter là. Salut. Et ça, c'est là où je suis tombé. Ok. What? Ah oui. Faut qu'on aille voir cette tour. Voilà. Je me demandais où j'étais. Elle s'est fait éclater la gueule. J'ai reçu un coup, mais je sais pas par qui. Alors. Qu'est-ce que tu caches, toi? Genre, t'as, y'a rien sous ta tour. C'est quand même bizarre. On va prendre de la terre. Est-ce qu'on a de la terre? Oui, on en a 57. C'est mieux que le bois, hein. Ça évite d'utiliser le bois. Donc, en fait, là, y'a rien. Très bien, très bien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a du charbon. Il y a du charbon partout. Je sais pas combien il y a de charbon. 21. Au moins, on sait dans quel monde on aura du charbon. C'est déjà ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que ses ennemis fuyaient le combat quand ils... Quand on voyait qu'ils étaient pas bien. Voilà, et là il reste le mousse orange. Voilà. Bon, sinon on a des pierres jaunes, hein, donc c'est cool. C'est cool le fait d'avoir des pierres jaunes. On va remonter. Hop, on est remonté. Welcome. Qui a follow, ça m'a fait peur. Ah, y'a quelqu'un qui a follow, c'est gentil. Je vais voir qui c'est. Ça va s'apparaître au retour de mon live. Faut pas que je rate le moment. Parce qu'il y a quand même un petit décalage avec mon live et... En tout cas, merci à la personne qui vient de follow. Hein. Parce qu'en fait, je peux regarder que sur mon retour. Je veux dire, OBS est pas sur un autre écran. On vient de voir, en fait. J'attends de voir... Qui a follow. Ah, c'est Buzz à follow. Le mec a un pseudo trop dur. Merci à toi. Putain, c'est pseudo, mec. Il est grave compliqué. Oh, y'a un truc bizarre là. Y'a deux tours bizarres. On dirait les tours dans Breath of the Wild. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces tours bizarres? J'ai l'impression qu'elles vont nous attaquer. C'est peut-être des ennemis, hein. Bon, lui, il va se mettre à fuir à un moment. Voilà. Merci du follow. Oh oui. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien les ennemis. Des ennemis plutôt puissants, j'ai l'impression. Oh, même pas. Enfin, je veux dire, on leur fait vite les dégâts, quoi. Il est mort ou... Faut que je récolte ça. Ah, par contre, il n'y a plus de bruit. Il y a un problème. Welcome. Encore merci du follow, j'attends de voir qui c'est. Là, du coup, je dois attendre de voir qui c'est. Désolé, hein, j'ai un petit retour. Merci à la personne qui a follow. Ça fait toujours plaisir. Par contre... le mec, il est venu en mode salut. J'attends de voir. Tu me diras, c'est pas plus mal parce que en plus on est... Non, j'entends toujours pas les bruits. Ça a diminué le son. Bon, ce monde est sympa, mais y a pas grand-chose. Bon, qui a follow, du coup?
Merci Sarah. Ah, c'était marqué Sarah? Ah oui, Sarah. Merci Sarah Planus. Oh non, je viens de comprendre ton pseudo. Oh, c'est dégueulasse. Me dis pas que c'est pas ton... Oh non, c'est pas ton... Oh putain, il y a un golem. C'est pas ton vrai prénom? Je viens de comprendre. Sarah Planus. Oh, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est fait exprès? Oh non, ma pauvre, ou alors tu... Oh, j'espère que je suis pas en train de te critiquer ton nom de famille, sinon honte à moi. Salut, content de te voir, parlez. Ma foi en cuivre m'a lâché, accepté. Je sais pas ce qu'elle veut. Foi en cuivre, rendre à Linda, la fermière, la foi en cuivre. Et elle est où? Elle est sur l'île, c'est ça? Mais le jeu fait plus de bruit, c'est bizarre. Merci à toi du follow. Lol, c'est ton vrai nom, rip toi. Après, je suis peut-être le seul mec qui a compris ça. Enfin, je veux dire, ça se trouve, je suis complètement con. Ou alors, c'est fait exprès, je sais pas. Vous voyez, il y a plus de bruit. On va relancer le jeu dans pas longtemps. Enfin, le jeu. Juste l'écran titre et. Il y a quelque chose en dessous au moins, parce que là, ça m'a pas l'air de. Je veux dire, tu fais pas des rochers en pierre comme ça sans avoir rien en dessous ou en haut, quoi. Ah ouais, y'a l'air de rien avoir. Non, là j'ai juste tombé dans l'eau, donc ça sert à rien. Et là non plus, j'imagine. Mais par contre, je vais monter en haut. Merde. T'as rien en haut. Ok. Où que c'est que serait ta four en cuivre? Là, on a fait cet endroit. Cet endroit-là, y'a rien de ouf. Attendez, j'ai envie de lui reparler. Est-ce que quelqu'un a lu J'aurais pas dû passer si genre sa foi était quelque part. Parce que c'est rendre à l'infirmière. Enfin, à la fermière, je veux dire. Tu as trouvé ma foi en cuivre Je sais pas où elle est ta foi en cuivre. On va aller sur le donjon là-bas, mais... Les trucs en pierre, là, ils servent à rien, j'ai l'impression. Quelqu'un a lu où étaient les... Welcome. Merci du follow. Quelqu'un a lu où étaient les indications. J'attends de voir qui a follow. Ouais, il y a un truc bizarre sur le côté là. Qui a follow? Je viens pour votre servant Minecraft. Qu'est-ce qu'il y a? What? Non mais ça j'ai lu sur Discord. Qui a follow? Qui c'est qui a follow? Le mec a un 40 heures de... Ah, on va bientôt voir, je pense. Merci en tout cas, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez faire partager ou host le live, ça fait toujours plaisir aussi. Et c'est Cherge. Essence d'eau, c'était pour respirer. Et ça du coup, ouais, tout à l'heure j'ai fait un trou dedans. Mais ouais, ça fout en cuivre du coup. Je sais pas que c'est qu'elle est, moi, ça fout en cuivre. Vous pouvez pas ne pas la paumer. On va peut-être la crafter, en fait. En tout cas, ici, on sait qu'il n'y a pas de portail à crafter, sinon on l'aurait vu. Et en plus, sur le monde, je veux dire, ce monde n'amène nulle part, donc... Attendez, on va crafter les trucs dans les blocs. Attends, merde, qu'est-ce qu'on peut jeter? RIP la prononciation. Pas chez Cherge. C'est Cherge. Hein? Il a violé mon pseudo, je me désabonne, pardon. Attendez. Donc c'est ce chez Cherge. Mais c'est trop dur. On dirait que le mec il a fait un truc passer ses choses. Ah, même moi j'arrive pas à le dire. Non. C'est ouf. Bon, on va retourner à l'autre base parce que là ça fout en cuivre de merde, je sais pas où elle est. On va lui crafter, je pense. Elle s'énervera moins après. Ce cher Serge. Quand tu dis cher ami. Ah! Ah ouais, mais c'est tout accroché, tu vois, ça fait extrêmement bizarre.
le golem il est chaud. Ça va, on lui met des... On lui met des belles esquives. Hop. Je peux toujours pas crafter de... Ah si, je peux en faire 6, on va aller mettre le portail jaune juste après. Mais portail jaune indique un monde un peu plus chaud. Hein. Normalement. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, on va essayer de les attaquer à la... Je suis désolé, y a pas de bruit, on va relancer le jeu après. Mais fuis pas, Coco. J'arrive même pas à le toucher. Ils ont pas l'air con de courir comme ça, tiens. Voilà. Arrête de courir un peu. On va aller faire le portail jaune. Mais d'abord, on va... Luc, t'as quoi avec... Le mec, il en prend plein la gueule. Non, quand même pas. On t'aime bien. Si t'as follow, c'est qu'on tu nous aimes bien et qu'on t'aime bien. On aime tout le monde, nous. On est comme ça chez le week-end. Alors, du coup, on va se rendre à la base. Voilà. On y go. Oh, la téléportation, elle était nulle. Et voilà. Alors, est-ce qu'on a moyen de lui faire ça ou en cuivre? On va aller chez nous. On n'a pas de cuivre par contre. Donc attendez. On va aller en prendre à ce monde-là parce qu'en plus il y a l'air d'avoir une chasse ou je sais pas quoi. On va aller rapidement aller chercher beaucoup de cuivre. Comme ça on est tranquille après. Je check sur le Tipeee Stream. Je check le Tipeee Stream à côté. Pourquoi? Mais comment tu peux check le Tipeee Stream? Normalement t'as pas accès au Tipeee Stream. Ça devient malsain. Je t'ai jamais donné accès au Tipeee Stream. Très étrange. Ah bon, les ennemis ici sont Et non, en fait ils sont pareils. On se les fait rapide quoi. Genre t'esquives toutes les flèches. Genre. Bon allez, on arrête les conneries, on est venu là pour prendre du cuivre. Parce qu'en plus il nous en faut beaucoup pour nous, hein, pour finir notre tenue là. Donc autant en prendre maintenant. Ah bah regardez ce qu'il y a. C'est donc ça qu'il faut trouver. C'est genre ça fait des dégâts ça. Oh ça a l'air casse-couille. Ah ouais d'accord. 3 œufs jaunes. Confectionner un œuf doré. Ouais mais non, je suis pas venu là pour ça. C'est pour Pâques je pense. J'ai la page à côté du stream pour voir les follow, je me suis co avec le week-end. Ouais mais c'est glauque sachant que le Tipeee Stream, il y a mes accès bancaires dessus, ça devient très malsain. Ça devient malsain. Voilà, au moins on en prend pas mal. On ne dit pas non. Et ensuite on retourne, il y a des autres packs partout en fait. Faut même pas les chercher là, c'est... Ils vous mettent ça sous les yeux direct. Hop. Ah, il y a l'air d'avoir un paysan qu'on n'avait jamais vu là. Peut-être qu'il a une quête à nous donner. Talo. Talo. Ah non. Il a rien à nous donner. Ou nous faire comme quête. Je rends pas la... J'ai rien compris ce qui... J'ai pas compris ton message, mais c'est pas grave.
Ouais, bon, on s'en fout. Ah oui, ça, j'avais jamais compris ce que c'était. Je m'en rappelle. Le truc qui fait avec l'eau, là. Ça, là. J'ai toujours cru qu'il y avait qu'un truc, mais en fait, j'ai jamais rien trouvé. Dedans. Bon, on a ce qu'il faut maintenant qu'on va retourner dans la base. Et ensuite, on va faire la faux, lui donner la faux. Et une fois qu'on aura fait ça, si on peut faire la faux, hein, une fois qu'on aura fait ça, enfin d'abord, après on fait notre. Pardon. On fait notre. On finit notre. Notre stuff. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire le portail jaune et découvrir le nouveau monde. C'est les quêtes d'aujourd'hui. Tertre de l'écuyer, le fameux. J'adore le mot tertre. Je trouve que c'est mais magnifique. Non, je vais pas du tout dans le bon sens. Je suis en train de... J'avais ma tête ailleurs alors. Comme on est rapide avec un couteau. Ouais, par contre, si tu restes en l'air, Bakai. Si tu restes en l'air, j'ai envie de te dire. Je ne peux pas vraiment t'atteindre. C'est même pour ça que j'ai choisi Archer en plus. Non, vraiment, parce que les ennemis volants. Comme ça, moi, vous êtes sûr de les avoir. Alors. Est-ce que j'ai moyen de te faire ta. Ouf. Foreuse. Non, je regarde mais j'ai pas l'impression. Et ça ça coûte quoi à l'améliorer? Il va nous falloir du fer mais je sais pas où c'est qu'on va trouver du fer encore. Lance-pierre ça va pas nous servir non plus. Non, nous on va se finir notre tenue. Donc pour ça on va. On en fait 12. Comme ça on est tranquille. On va peut-être essayer de finir la maison un petit peu. En attendant que ça cuise. Et là, la maison elle est en mode je décède. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est des blocs de paille. Est-ce que j'ai des blocs de paille sur moi? Non, donc je peux pas finir la maison. Il faudrait que je fasse des blocs de paille, mais ça a l'air vachement chiant à faire. Le seum. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial? Parce que les recettes, je sais pas vraiment comment ça marche toujours. Ça, hop, c'est dans notre truc. Ça nous en fait 49 des pierres aiguisées. Ça sert toujours. Voilà. Bloc de cuivre, bah non, du coup, non. Et encore, j'ai pas l'impression qu'on peut qu'on puisse décrafter. Alors, ça fait un peu chier. Oui. La chouette est en mode oh, bonjour. Alors. Ah non, c'est dans l'atelier d'archer, pardon. Hop. Pantalon de rôdeur, on a 60. Alors que si je prends. C'est tout ce qui me manquait, je crois. Ensuite, on est sur des trucs où il faudra du lin. Et ça, pour l'améliorer, il faut combien? Du fer aussi, je crois. Ouais, du fer et du lin. Ok. Du coup, on va s'équiper notre notre pantalon. Voilà.
Et du coup maintenant on va jeter notre ancienne armure, tant pis hein. Elle nous servira plus à rien maintenant. Voilà. Alors maintenant, deuxième mission, c'est d'aller finir le portail jaune qui était dans le monde ici, je crois. Je crois. Hein. Alors, le portail jaune égale un monde un peu plus dangereux, comme on a besoin de jaune pour y rentrer. Imaginez les rouges et les verts. Voilà, voilà. Pic de Gola. Alors, je sais plus par où il est par contre. Ah, c'est pas le bon monde. Ah, si, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. J'ai rien dit. Là, il y a les maisons du lapin. Et on avait dit que le portail jaune était par là. Enfin, en fonction de la maison qui était par là, le portail est ici. Ouais, ok. Vous voyez, centre d'orientation professionnel. Est-ce qu'on peut manger les œufs? Je ne sais pas. Il y a plein de lucioles bizarres partout là. Alors, du coup, pour la houe en cuivre, oh, la houe en cuivre, on lui fera. Et voilà, fallait que je me cours. Voilà, ça nous fait un portail jaune. Et on a l'air d'avoir un monde très bizarre de l'autre côté, un monde violet. La fosse au vert. Oh putain, on y est en 2 secondes, niveau 10. Ah, c'est pas le monde boss ici? Ça craint. Ah si, c'est le monde boss. J'adore, un univers somptueux et dynamique. Ça a l'air d'être vraiment un donjon. Très bien. Insensible. Ça c'est le boss. Donc il y a des boss. On va essayer de se le faire. Il est toujours insensible en tout cas. Et ben voilà. Ça va être long, mais on y arrive. On a pas de potion, on y va en deux potions là. Ah bon, c'est plus de dégâts forcément. Ah, on a plus de cœur aussi, j'ai vu. Tu dois avoir des bonnes notes en impro d'intention. Oui, en plus, oui, je sais. Les gens veulent être avec moi en orientation parce que je sais très bien lire une carte en fait. Vraiment, genre en orientation, j'ai vraiment du bon niveau en plus. Non, c'était pas un ennemi ça. Un peu mal le monsieur, mais bon. Il suffit juste de courir autour de lui, quoi. Dégueulasse. Ça, il fait pas trop mal non plus, hein. Honnêtement. Pour ce que c'est comme boss. Ah, je crois que ça y est, commence à regretter, voilà. Allez, on y retourne. On y va. Se fait le monsieur boss. C'est insensé. Encore 3 fois ça et on sera bon. Ah d'accord, maintenant il lance en x4 là. Tu deviens fou là. D'accord, il y a fond sur les. D'accord. Les fonds au vert, ils sont chauds. Ah d'ailleurs, il retourne. Il est heureux en. On s'en sort bien. Hein. Sans potion. Insensible. Voilà, vous comprenez pourquoi on a besoin d'un portail jaune. En tout cas, il est pas joli. Hein. Mais le monde, il a pas un pet de lag. Et en fait, autour, il y a rien. Il y a vraiment que ce boss en fait qui est intéressant.
Vous avez vu que le son est revenu alors qu'on n'avait pas relancé le jeu, hein. J'ai oublié, mais... Oh, faudrait que ça même on crève pas. Tu peux le taper à l'épée quand il est tombé, non. Oh, en fait, mon arc fait plus de dégâts. Mais si tu veux... Non, on peut pas en plus. Ah. Ah, c'est dommage, j'aurais pu le finir si je t'aurais pas montré. Enfin, tu vois... pas que ça vaille vraiment. En tout cas, c'est un boss facile. Dommage qu'ils soient insensibles. Voilà, il y a ses copains qui sortent de sol. Enfin, en fait, il y a énormément de cœurs en fait. Vous voyez, on se soigne direct. Bon, il est mort là, il va mourir. On va réussir à se le faire. Il est pas mort? Ah si, il est mort. Victoire. D'accord. Et c'est bien beau la victoire, mais où apparaît du coup le... Ah d'accord. Je vois le délire, attendez. Je récolte tout ce que j'ai eu. Je pense que ça c'est un portail qui va nous amener au prochain monde. Baie des palmiers. Par l'autre côté je pense. Ah oui, à la tête. Oh oui, mais ça veut dire que tu fais le tour et tu perds du temps. Puis mon arc fait plus de dégâts, donc bon. Mais peut-être plus lent, j'en sais rien. On est dans le nouveau monde, c'était un boss facile honnêtement. Je pensais pas qu'on allait faire un boss pour là en fait. Et là du coup on va à baie des palmiers. On va pouvoir faire voir des palmiers et avoir la cape de héros qui nous avait dit la personne qui nous avait dit Darkycraft. Enfin non. Oui, Darkycraft, voilà. Donc c'est cool. Enfin, le monde il est long à charger, il est si grand que ça. La baie des palmiers. Et du coup je crois pas qu'on a tous les mondes là, c'est pareil. On va vérifier hein, mais... Baie des palmiers niveau 10. Oh. Oh waouh, et normalement c'est avec ce genre de... C'est avec ça qu'on va pouvoir avoir des feuilles pour faire la cape. Enfin, si j'ai bien compris, après... Il se peut que je me trompe, et du coup si on regarde la carte, est-ce qu'on a tous les mondes d'avant? Ah, il nous manque le monde qui est là, donc dans le monde 5 on n'a pas tout fait. Là et là, et il nous manque un monde au 5 qui est ici, si j'ai bien compris. Quoique non, ils seront comme ça. D'accord. J'ai vu que c'est plein de monde partout. Alors que là on est là, et là ça va donner là, là ça va déboucher. Je pense pas qu'on va commencer ce niveau dans ce monde là. Je pense qu'on va essayer de compléter les autres portails en... Je suis le seul à parler. En guise du... En guise de fin de live. Mais ça, j'aime bien l'ambiance. Oh, il y a un chaman. Vaudou, mec. Le vaudou guérit tout, mec. Ok, mec. Et si je te casse ton truc, tu fais pas grand chose, d'accord. Le mec, il dit qu'il explore le monde. Qu'il explore ce monde plus tard et qu'en fait, c'est un petit mytho. Il se le fait maintenant. Et ça, si je le casse, du coup, ça me donne les feuilles que je voulais pour la cape de héros ou pas? Oh oui, c'est ça. Je crois. Hein. Oui, c'est ça, feuille de palmier. Alors, attendez, j'en prends. Il nous faut pour la cape de héros. Ok, on en a 11. Ok, là, il y a... Ah, oh, c'est grand. C'est impressionnant. Et une maison. Je crois pas que ça suffit. Il faut voir. En fait, c'est avec ça que tu fais du lin, je crois. Regarde. Je sais plus ce qu'il faut pour faire du lin. Tissu en lin. Ouais, voilà, il en faut 6. Donc en fait, on va en prendre plein de ça. Hop.
C'est-à-dire qu'avant de continuer ce monde-là, on en aura deux autres à trouver, parce qu'en fait, on va tous les trouver, donc... Ah, ils sont bizarres, les ennemis, ici. Ah, portail jaune, déjà. Portail jaune. Ah, voilà, il y a les ennemis qui sont apparus depuis. Je sais pas combien il me faut de tissu en lin en même temps. Et pourquoi on prendrait pas les graines, on les planterait chez nous? C'est ce qu'on va faire. Plutôt que... qu'attendre bêtement. Ah, on a trouvé une grenouille, mais on l'a déjà eu, je crois. Eh, ça donne une tissu en lin direct, ça? Non. Merde. C'est du tissu en lin, ça. Oh oui, ça donne du tissu en lin vu que c'est des momies. Oh bah, c'est rentable. Mais ça, c'est pas une momie, c'est un squelette. Ouais, donc forcément, ça donne pas de... ce que je pensais que ça donnerait. Il me faudrait des graines et on sera bon pour partir de ce monde-là. Feuille de palmier, certes, mais ça donne pas les graines d'Aoles. J'ai pas l'impression. Il y a une mine ici, faudra y penser. Ouf. Ok, je me suis fait voir, j'ai l'impression. Je pense qu'on va pouvoir se casser. Ça craint ce truc. Oh, ça craint. Il va me buter. Hein. Oh, le truc chiant. Là, on l'a raté. Voilà, on a raté le jump. Mais bon, c'est pas grave. Pas de perdre, en fait ça fait perdre que des pièces de mourir, alors bon, c'est pas très grave. Bon, du coup on va retourner dans le monde faire la cape de héros et on sera cool. Alors, merde, je suis sur le stream, je suis en train de lire Discord. Et la vie du pied sur The Walking Dead et le fait que j'ai tué Luke, c'est vraiment génial, il méritait de crever. Mais je crois qu'il serait mort. T'as regardé sur internet s'il serait encore en vie. J'allais casser ma fenêtre pour passer. Le mec, c'est un gros flemmard, tu sais. On est venu faire la cape de héros, c'est vrai, c'est pas là. Quoique maintenant, on va pouvoir faire le tissu en lin, je crois. Il faut un établi.
largement que j'ai ça ici. Hop, on va planter les fameuses graines qui sont juste ici. Je sais pas si ça va, enfin je sais pas si ça va pousser en fait. Mais on verra bien. Hop, ça s'est planté. Ensuite, la cape de héros qui se fait là, je crois. Cape de chevalier. Hop, j'ai la cape de chevalier. Ce sera mieux que notre cape bleue qui fait pas vraiment d'avantage en fait. Et ici il nous propose plein de nouveaux trucs comme on a. Ah, c'est que 45. Alors que nous on a les chasseurs, ça fait plus de dégâts. Ah merde, il y avait le cap de rôdeur. Oups. Oups, oups, oups. Oups. Ouais. Yes, you are forever alone. Oh oui. J'ai fait la cape de chevalier. Oh non. On va se l'équiper, mais bon. Ça fait moins styly du coup. Et j'ai plus de lin. J'en ai 8, tu te fous de ma gueule. Ah, c'est pour ça que je veux moi. Moi je veux faire la cape de rôdeur. Tissu. Ah, c'est juste du coton qu'il faut. Alors attends, du coton on avait fait un champ la dernière fois. Est-ce que je peux pas le crafter le tissu en coton? Ah, c'est un cadeau plein, merde. On va voir. Comme si je peux en faire en fait. Et voilà. Et là je peux faire la cape de rôdeur. Et bah quelle histoire. Quelle histoire. Tout cape de rôdeur. On peut se la faire au niveau 3 quoi. Bon, on va s'équiper. Oh elle est jolie. Ah, c'est tout de suite plus classe. Du coup on va se rendre maintenant qu'on a fini ça, on va se rendre dans ce monde là où on a apparemment pas fait tous les portails. Ah, je sais pas si j'ai ce qu'il faut hein. Ah, y a plus de son, ah si. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour ce portail là. Faut voir. Déjà, je les ai pas trouvés, les endroits. Ah, mais oui, c'est l'endroit où on avait pas fait toutes les tours. Allez, du coup, on va faire les tours là-bas. Ah, oui, ce monde-là, en fait, on l'a pas du tout fouillé. Tu m'étonnes qu'il y ait d'autres portails. On a rien foutu dans celui-là. Y'a personne là par contre. Donne-moi la pierre bleue s'il te plaît. Pas de passe dans mon sac à dos, pas de problème. On va virer les trucs qui servent à rien. Mais en fait je peux pas faire juste ça. Voilà. Ça fait un peu d'espace. C'est dommage qu'on n'ait pas des animaux actifs. Parce que là, ils sont tous passifs. Le personnage il a le sourire quand il combat. C'est. Waouh. Ah, est-ce que ça vaut le coup que j'ouvre les prisons? Parce qu'il peut y avoir du monde dans les prisons, alors je regarde.
Ouais, il y a un squelette là-dedans et il y a des ennemis là-dedans, mais bon. C'est pas très grave, on continue. Il crève pas ce mec. Ils sont résistants. Ouais, le couteau il est pas ouf en fait. Hein. C'est bien pour le corps à corps mais... Mais il est pas ouf. Ici, est-ce que ça vaut le coup d'en libérer? J'ai pas l'impression. Ici, y'a rien. Ici non plus. Ici, y'a rien non plus. Et ici non plus. Ok. Et en face. J'arrive pas à me le faire, voilà. Vous avez vu qu'on est quand même plus discret, on arrive à les approcher sans leur. Sans les. On arrive à les approcher sans problème quoi. Là y'a toujours rien. Ok. Bon, rien de ouf dans ce. Dans ce donjon-ci. Donc on repart du coup hein. Ah non, attendez, je suis pas allé ici. Ah mais si, justement, j'y suis allé. Ah, il y avait un trésor bien planqué, là. Hop, fallait juste le trouver. Bon, c'est fait. Bon, allez, on remonte. On remonte, il nous reste à peu près 5... ouais, 10 minutes de jeu. Avant la fin du live. Ah merde, on est tout mangé tout en haut, j'avais pas vu. Voilà. Est-ce qu'on sait où sont à poser les portails ou pas? Parce que moi je les vois toujours pas. Ah là-bas, non. Non, même pas. Je prends de la hauteur du coup, hein, attendez. Là-bas, il y a un truc étrange, on va y aller. Il y a une torche au milieu de rien du tout, en fait. C'est quoi? Oh non, c'est juste une torche, en fait. C'est juste une torche. On va aller faire cette tour-là. Et on sera, du coup, après... Putain, tranquille. Je vais voir ce qu'il y avait là-haut. Après, ma peur, c'est le fait de me dire qu'il y a des portails qui sont sur les îles directement, quoi. Ce serait peut-être ça le pire. Bon, du coup, on est en bas. Voilà, là, il n'y a rien de caché, si. Si, toujours. Ça se trouve, dans le premier, on n'avait pas fait attention à ça. Hein. Hop, minerai de cuivre, ça fait plaisir. Et des écailles, en plus. Ici, toujours rien. J'espère que les portails sont pas planqués, en fait. Ça serait chiant. C'est sûr qu'on peut en trouver dans des donjons, aussi, comme on a vu, alors... Allez savoir. Ouf, c'est le vide là-dessous. Ouais, c'est bien le vide. Mais rien là-dedans.
par contre il y a de la terre, ça fait comme une arène, c'est très bizarre. Ah, on est passé avec un nouveau niveau. Niveau 9, bientôt niveau 10. Voilà, et toujours pas de nouveaux talents, ça doit être au niveau 10 qu'on va avoir les talents. Ouais, c'est ça, c'est 10. Après. C'est spécial ici. Très spécial là-dedans. Ok, c'est bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut le coup là-dedans? Ah, où c'est qu'on met les portails là? C'est le vide derrière ça. Là y'a rien non plus. Ok, bon, donjon terminé du coup, mais on n'a pas trouvé. On sait pas où c'est que sont les portails bleus. Hein. On va aller jeter un coup d'œil dehors, mais on sait pas vraiment où c'est. Ah, parce que regardez, il y a deux mondes. Hein. Ah, si je sais lire une carte, après je suis même pas sûr de ce que je vous dis. Hop, nice. On a trouvé des écailles, on va pouvoir se faire ce qu'on voulait. Je ne sais même plus ce que c'est, mais on avait besoin d'écailles, je m'en rappelle. On va faire un tour. On va voir où c'est que sont les autres portails bleus ou jaunes. Ah, c'est un bébé à Rakakoa quoi. Il y a une maison là-bas, mais ça doit être celle du lapin. Oh là là. Où que c'est que vont les portails? Ce serait cool de découvrir les variantes quoi. Avant de commencer à partir dans le nouveau délire. J'espère que ce sera pas sous terre quoi. Ce serait dommage. Pas grand chose. Là non plus. Ah, celui-là on l'a déjà fait. C'est le portail jaune, celui-là je crois, ouais c'est ça. Et d'ailleurs c'est le portail boss, et du coup où sont les autres? Pff, aucune idée. Aucune idée de où sont les autres. Je ne sais pas. Bon, tant pis. Oula. Je ne sais pas où sont les autres portes. Ah, mais on en avait fait un qui est ici. Et est-ce que ça serait pas dans genre ce monde-là? On va voir vite fait parce que le verger d'Orton, on n'est pas allé beaucoup longtemps. Enfin, on n'est pas allé très longtemps, je veux dire. Je sais pas plus si on va parler français. Donc, faut voir. Faut voir, faut voir. Ça trouve c'est ici que le début en fait et on est un peu bête. Ah oui, c'est le truc qu'on a jamais réussi à finir. Alors, vous savez quoi, on va tracer, on avait abandonné au début du live, mais là il nous reste quelques minutes, alors autant y aller. Je suis sûr que c'est ici. Hein. Je
vois pas d'autre explication. Toujours les deux là-haut, là. On avait tué, mais ils sont de retour. Il y a deux trucs bizarres là-bas, on va aller voir. En dessous, il y a quoi, là? J'ai failli tomber dans le trou. Il y a rien, j'ai l'impression. Salut, toi. Et si je suis tombé, en fait. Merde. Oh bah meurs, hein. Laisse tomber. Laisse tomber. Attends, on a utilisé notre terre pour faire ça. Il saute vraiment que d'un bloc, hein. Ouais, c'est pas énorme ce qu'il fait, ce qu'il saute. Bon, c'est chaud en tout cas, hein, putain. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais, quoi. Il y a des carottes. On est compte qu'on n'arrive pas à aller à l'autre bout de la map sans, sans que ce soit le bordel. Voilà, et lui c'est pareil. Voilà. Ça doit être là-haut, hein, là on doit. Parce que celui-là, je sais pas si on doit en poser ou pas. Sachant qu'on n'a pas vraiment. Je me suis encore fait avoir par le même piège. Putain. Et je peux pas vraiment remonter, quoi. Bon, on se laisse crever une deuxième fois. Et on va essayer, on tente une dernière fois. Ah, je suis con. Fais chier, fais chier, fais chier. Attendez. Ça fait, c'est nul, hein. J'arrive pas, on va peut-être passer par le même passage parce que regardez ce qui nous arrive. C'est chiant. Du coup, il va être 19h dans pas longtemps, mais bon. On va finir, on va finir. On va juste aller voir ce qu'il y a au fond là-bas. Si le jeu nous le permet bien, parce qu'apparemment c'est un monde tellement protégé qu'on peut pas y aller. Il faudrait des... J'avais fait un chemin ici, je crois. On va faire un chemin, on va pas prendre le risque de sauter, parce que vous avez vu ce que ça donne quand on saute. Voilà. Et alors, est-ce qu'ici, du coup, on peut poser des trucs? L'endroit est très bizarre, mais j'ai pas l'impression. On a une tour. Que là il y a un rond bizarre, c'est très très étrange. Ah, je me disais bien qu'il y aura un donjon quelque part, hein. Mais du coup il faudrait peut-être mieux se le garder pour la prochaine fois. Ouais, on va le garder pour la prochaine fois, ce donjon. Tac, on va aller à l'écran titre, on va arrêter le live. Eh ben on aura grave avancé, hein. Hop. Bon, du coup, hop, j'espère. Non, ça je laisse, désolé. Hop, j'espère que le live vous aura plu, vraiment. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on essaie de trouver toutes les variantes avant de continuer dans le monde tropical et de continuer dans les prochains mondes. On améliore le stuff, bien évidemment, comme d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et partager le stream. Je suis en train de faire mon outro de YouTube, mais non, ça, c'est valable aussi. Enfin, de partager la chaîne YouTube et... Enfin, de partager la chaîne de Twitch et de vous abonner. De follow, plutôt. Et
On se retrouve du coup pour ma part mercredi, si j'ai des clés à vous faire gagner, sinon on se retrouve pas en fait. Et tout simplement, vous êtes 8 alors qu'on va bientôt arrêter le live, c'est dommage. Merci d'avoir été là, n'hésitez pas à follow, ça fera toujours plaisir au week-end parce qu'on veut vraiment lancer quelque chose avec pas mal de monde qui nous suit. Bye bye. Et portez-vous bien.